10. Yakumi. Haraka. Rapidement. Ni mushida. C'est dans une situation difficile. Ou qui fait montrer ses couleurs. Manifeste ses couleurs dans le. Tous les mains. Watuote. En situation de paix et croyant. Katika hali ya amani na utulivu kila mtu ni mwamini. Kila mtu. Tout le monde. Bila jaribu ni mu Kristo. Sans épreuve, c'est un chrétien. Ngano. Mais le blé. Ni wakati ya shida njoba na iwa. C'est quand il est dans les épreuves qu'on le connaît. Bakukoroge. Qu'on puisse trouver. Ma réaction zako. Tes réactions. Zitaonyesha binyu likuwa hauyaonyesha. Vont manifester ce que tu n'avais jamais manifesté. Amen, amen. Qu'on te trouble un peu. Comportement yako façon balikukwaza. La façon dont tu vas te comporter. Na ma réaction zako. Et tes réactions. Zita prouvé que unakwaka wa kujipangikiza. Vont prouver si tu es quelqu'un qui te fait. Waloko muzali wa mushamba la Mungu na ukapandwa na Yesu. Ou tu as été semé dans le champ de Jésus par Jésus lui-même. Amen. Je suis à la fin. Niko kumwisho. Écoutez. Sikieni. Quand on est bien. Wakati uko mzuri. Qui ne peut pas être croyant? Nani mwenye hawezi kuwa muamini? Mais allez visiter Job. Mais mwende tembelea Yobu. Quand même ta femme te dit. Wakati na mke wako anakuambia. Laissons ce message. Tuache hii ujumbe. Bibi nani anakuambia? La femme aussi. Tuache hii vitu. Abandonnons ce message. Mais qu'est-ce qu'on est en train de nous faire? Regarde. Mungu. Dieu. Il peut accepter que nous arrivions dans ce tout niveau. Abandonnons le message. Et puis le frère dit à la soeur. C'est dont tu es en train de dire là. C'est comme tu parles comme une femme insensée. Un quelqu'un qui souffre. Mais qui peut encore dire. Sema, madame. Madame. C'est vrai que je souffre. Mais je ne laisse pas Dieu. Lakini siwezi acha Mungu. C'est un blé. Ningano. C'est un blé. Ule ningano. Tout à quoi n'a pas joué. Nous allons vous découvrir. Je ma prédication na ujumbe na Bible lisha tufunulia. Les prédications, les messages et la Bible nous ont déjà révélé. Ouvrez les yeux, on nous a révélé. Un homme de Dieu katika shida, dans les épreuves katika raha, dans la joie. C'est comme le serment qu'on fait ici. Alisha owana na Yesu. Il s'est déjà marié avec Jésus. Jamais un homme né de l'Esprit de Dieu. Pas une histoire disante naissance. Mais réellement rempli de l'Esprit. Il est scellé à l'intérieur jusqu'au jour de sa rédemption. Il va ressembler à Christ aujourd'hui. Il va ressembler à Christ demain. Il va ressembler à Christ le jour d'après. Dans les épreuves, il ressemble à Christ. Dans les afflictions, il ressemble à Christ. Dans la famine, il ressemble à Christ. Dans la joie, il ressemble à Christ. Partout vous le voyez, lui ou elle, Mama Baba, il ressemble à Christ, atafanana Christo, car ils sont scellés par le Saint-Esprit. Mana, walitiweko muhuri kupitia Roho Mtakatifu. Année de jubilé, paragraphe 140. Ujumbe unaoitwa mwaka wa yubile, mtaji wake ni 142. Sasa. Mais non. Misi wakataze kupita mu majaribu. Moi je ne vous prive pas de passer dans les tentations. Parce que nous sommes encore dans la chair et les épreuves ne manqueront pas. Mais souviens-toi de cette prédication. L'épreuve peut passer, mais ce que tu as manifesté pendant l'épreuve ne passe pas. Tu dois le savoir. Mubiandike. Écrivez cela. Jaribu inapitaka me kupemuka haipitaki. Amina. L'épreuve passe, mais ce que tu as manifesté pendant l'épreuve ne passe pas. Usishindwe ke simama. Ne parviens pas, ne pas. Kisha saa ya kupia pana ushuhuda wanze tubu.
Et au lieu de témoigner, tu commences à te repentir. Soyez tenté. Mais qu'il y ait quelque chose qui passe dans l'intérieur. Et tu te dis, ça va passer. Mais après avoir passé, pendant que je me suis mal tenu devant Dieu, j'aurai quel témoignage maintenant dans les gens, que dans les épreuves aussi j'avais tenu comme chrétien. Parce que la vie chrétienne, c'est le combat de chaque jour. Amen, amen, amen. C'est vrai, c'est vrai.